Joyeux anniversaire au prince George. Ce samedi 22 juillet 2023, le fils aîné de Kate et William souffle sa 10e bougie, pour le plus grand bonheur de la famille royale britannique. S'il est aujourd'hui connu de tous sous le nom de George, le futur souverain a bien failli s'appeler autrement. En effet, la princesse de Galles a longtemps hésité et avait en tête une autre idée de prénom pour son garçon. Selon l'experte royale Cathy Nicole, alors qu'elle ne connaissait pas encore le sexe de son bébé, Kate Middleton aurait souhaité l'appeler Alexander. Kate sentait que c'était un garçon et elle avait un coup de cœur pour le prénom d'Alexander, a-t-elle expliqué au Mirror, samedi 16 juillet. Mais, selon elle, leurs proches ont insisté sur le fait que le couple ne savait pas encore le sexe de leur futur bébé. Des amis du couple auraient également affirmé que William voulait une surprise. Le choix de leur chien Lupo, bien que Kate ait apparemment soupçonné qu'il s'agissait d'un garçon et ait jeté son dévolu sur le nom d'Alexandre, ils n'avaient pas encore décidé comment appeler leur premier-né, a affirmé Cathy Nicole. Le couple aurait finalement pris sa décision en faisant appel à un autre membre de la famille. Et pas n'importe qui, son chien Lupo. Selon The Times, le prince William et Kate Middleton auraient en effet écrit tous les prénoms sélectionnés sur des morceaux de papier, les auraient éparpillés sur le sol de leur maison et auraient laissé Lupo entrer pour voir vers quel morceau de papier il se dirigeait. Le chien aurait donc choisi George. Le prénom George est un hommage au père d'Elisabeth II, George VI, mais aussi à George Ier, le premier monarque de la maison de Hanovre à monter sur le trône britannique. Toutefois, Alexander est le deuxième prénom du fils aîné du couple. Il fait référence à Alexandrina, qui n'est autre que le second prénom de la reine Elisabeth II et le premier prénom de la reine Victoria. Le troisième, Louis, fait référence à Louis Mountbatten, le dernier vice-roi de l'Inde britannique. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamen.